Bonjour à vous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Tout au long de ce mois, je vous ai parlé de l'objectif, des résolutions, des buts et de comment s'organiser, comment le concrétiser de belle manière en observant certaines règles, hein, parce qu'un objectif, ça ne s'obtient pas comme ça, évidemment. C'est du travail, c'est de s'y remettre sans cesse et sans cesse, c'est vraiment de progresser. Si vous voulez être un champion de course, vous allez devoir vous entraîner maintes et maintes fois et courir et courir et encore courir pour augmenter vos résultats, augmenter votre capacité de souffle, augmenter votre musculature, etc. Et vous n'aurez pas que à courir, vous aurez aussi à vous muscler, à avoir des bons soins, à avoir une bonne alimentation, peut-être même des moments de massage, de repos pour alterner avec les moment d'effort. Donc tout ça demande vraiment beaucoup de travail. Ne vous imaginez pas que parce que vous aurez bien défini votre objectif, ça va se faire comme ça en un claquement de doigts. Non, ça n'est pas vrai. Ça demande de toujours aller de l'avant, de toujours travailler. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est de se donner une récompense. Et pas seulement, par exemple, pour le coureur, d'être le premier sur le podium. Parce que oui, arriver champion aux Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, bien sûr. Mais une fois que vous avez atteint cet objectif, si vous avez mis que ça dans votre vie, il vous reste plus rien après. Vous avez atteint la première marche des Jeux Olympiques, parfait, c'est un bel exploit, mais après votre vie sera vide. Donc pensez à deux choses. Un, oui, je vais atteindre la première marche des Jeux Olympiques à la course, d'accord, mais dans quel objectif? Qu'est-ce que je vais en faire après? Comment je vais le perpétuer, le préserver, peut-être le transmettre? Comment je vais en faire quelque chose de constructif dans ma vie et comment je vais me récompenser? Parce que oui, il y a la médaille d'or, bien sûr, des Jeux Olympiques, mais pour tout le travail que j'ai fait, pour ce que ça m'a apporté dans ma vie, pour ce que j'ai demandé à mon entourage et ce que je leur ai offert en même temps, comment je vais concrétiser ça et qu'est-ce que je vais en faire dans la durée? Donc pensez-y, quand vous faites un objectif, c'est chouette d'avoir quelque chose de précis, quelque chose de réaliste, quelque chose de défini, mais aussi quelque chose pour après, quand vous l'aurez atteint. Donc souvent on n'y pense pas et c'est dommage. Alors je vous mets en garde simplement pour que vous alliez voir plus loin encore. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, au revoir.